Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo épique, car je suis allé chez Burger King et j'ai tapé du burger mystère. Oui, j'en ai pris 10. Donc c'est parti, let's go. On va voir si j'ai de la chance et on va voir si j'arrive à assumer. Du coup, c'est 10 burgers mystères de chez Burger King. Si vous aussi, vous voulez prendre des burgers mystères chez Burger King, et que vous en voulez plus que deux, n'hésitez pas à demander des codes, des QR codes à vos collègues, et tout simplement, vous rentrez dans votre compte, en fait, sur la borne, vous mettez vos deux à vous codes Burger Mystère, et vous continuez avec les codes, vous scannez les codes de vos amis. Et ça marche comme ça, et vous pouvez en avoir plus que deux, ça permet justement de briser cette barrière des deux Burger Mystère. Donc voilà, petite astuce avant de démarrer cette vidéo. Donc c'est parti. On a tous nos burgers mystères, regardez-moi ça, on va sortir tous les points d'interrogation, boum. Wouah. Comment je fais? C'est quoi ce bordel? Il y en a qui ont l'air bien plus gros que d'autres, mais là, attendez, c'est un truc de ouf. Il y en a qui ont l'air vraiment énormes. Juste avant, aussi pour préciser, quand j'ai récupéré ma commande du coup chez Burger King, elle m'a dit « Vous avez eu de la chance avec les burgers mystères. » Donc, elle m'a hypé, à mon avis, j'ai eu du lourd. Donc, on voit bien ici sur le ticket que c'était 10 burgers mystères. Vous voyez, il y a tout des burgers mystères. Quand vous prenez les burgers mystères aussi sur le ticket, attention parce qu'en fait, elle me l'a plié en deux. Vous voyez, j'ai pas regardé derrière, mais ici, il y a marqué les burgers mystères que vous avez eu. Mais moi, je ne veux pas un spoil, je veux le découvrir avec vous, donc je ne vais pas regarder derrière et je n'ai pas regardé, bien évidemment, on va jouer le jeu à fond. Donc c'est parti, let's go, on va y aller un par un. Je vous mettrai soit ici, du coup, le total calorique en fonction de l'avancement des burgers que je mange. Et à la fin, on fera un calcul. J'ai payé 30 euros et on va voir combien, avec les burgers que j'ai eu, j'aurais dû payer si j'avais pris les burgers, en fait, pas mystère. Donc on va voir combien on a économisé à la fin avec cette promotion Burger Mystère. Donc c'est parti, let's go, sans plus attendre, on va commencer. Je vois celui-là, il m'a l'air plutôt petit, donc c'est parti, on le voit. Premier Burger Mystère, qu'est-ce qu'on va avoir? On a, je sais pas ce que c'est, triple cheese, ah oui, c'est marqué dessus. Hop, triple cheese déjà, donc c'est parti, on va le dégommer celui-là. Il est plutôt petit le triple cheese de Burger King. Donc voilà, on voit bien, triple cheese. Beaucoup, beaucoup de cheese, comme ceci. Donc c'est parti, let's go. Triple cheese, normal. Triple cheese, fini. Au suivant. Celui-ci. Je les prends un petit peu au hasard. Hein. Attention, attention. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Là, on a un... Le plus nul des burgers mystères. Il est là. Il fallait bien en avoir. C'est le crispy chicken. Le crispy chicken. C'est le moins rentable des burgers mystères. Donc c'est parti. Let's go. Oh, il est pas beau en plus. Il est tout cassé. Crispy chicken. Let's go. On va le dégommer celui-là. Pas mauvais. Crispy chicken, deuxième mystère. Fini. C'est parti, le troisième. C'est le bordel sur la table. Il y a des papiers partout. Elle m'a vraiment dit que j'avais eu de la chance avec les burgers mystères. Encore un crispy chicken. Celui-là, c'est celui qui a la plus forte probabilité de tomber, je crois bien, le crispy chicken. Donc c'est parti. Troisième burger mystère, le crispy chicken. Encore une fois, il est un petit peu plus beau que l'autre au niveau du montage. C'est parti. Troisième burger mystère, deuxième crispy chicken, fini. Ouais, on va attaquer celui-là. Il commence déjà à être un petit peu plus gros au niveau de la taille que les trois premiers que j'ai mangés. Au niveau de la taille, de l'apparence, on a quoi? Oh!
Master Cantal. Je l'ai jamais goûté en plus, je crois. Enfin, je sais plus. Peut-être que je l'ai goûté, mais il y a longtemps. Un Master Cantal, ça c'est rentable. Oui, 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 let's go. Bah, let's go. Regardez-moi ça. Un Master Cantal Burger Mystère, ça vaut 10 euros, je crois, à peu près, le burger seul. Et moi, je l'ai payé 3 euros. Il y a quoi maintenant? Ça fait plaisir, comment il est bon, lui. Waouh. Une plus grosse viande, hein, là, directement. Incroyable. Quatrième, Burger Mystère fini, le Master Cantal, il fait plaisir, là j'ai eu de la chance. Au suivant, comme quoi c'était pas le plus gros d'apparence, mais au final il était gros au niveau du prix. Celui-ci, il donne quoi? C'est pas non plus le plus gros, c'est parti, on déballe. C'est pas un Master, on va avoir... Putain, pas possible les amis. Encore un Crispy Chicken, le troisième déjà. 5 Burger Mystère, 3 Crispy Chicken, c'est plus de 1 sur 2. Bon ben, c'est parti, je vous le montre même plus, c'est le troisième. Cinquième Burger Mystère fini, encore un Crispy Chicken, le troisième. Je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, donc il m'en reste 5, on est à la moitié. Mais regardez, j'ai gardé quand même des apparences massives pour la fin. Ils m'ont l'air vraiment plutôt gros. On va prendre celui-ci, il m'a l'air massif. À mon avis, c'est là qu'elle a dit que j'ai eu de la chance. C'est là que la chance va apparaître. Je crois que c'est un Master encore. Let's go! Master Cantal! Master Cantal encore une fois! Oh là là! Ça va être compliqué, ça fait un vrai food challenge ça! Ça dégage! Il m'en reste 4, plus le Master Cantal qu'on vient de découvrir. Deux Master Cantal, ça fait déjà 20 euros. En deux burgers, on a presque rentabilisé les 30 euros des burgers mystères. Ça c'est vraiment super cool! Toujours le même, Master Cantal. C'est dommage! J'ai pas eu le Master Bacon Grill. Je crois qu'on peut l'avoir celui-là aussi. Peut-être qu'il est quelque part encore par là. On va voir. Wouh! Allez, let's go. Il est beaucoup plus massif celui-là. Il blinde plus. Deuxième Master Cantal fini. Ouais, il blinde bien. Et du coup, sixième Burger Mystère, fini. Je commence à les sentir dans le ventre. Là, on va attaquer dans le dur. Mais on se régale quand même. Pas encore un Master Cantal, s'il vous plaît. On va prendre celui-ci. Il paraît énorme. Il m'a l'air énorme, celui-ci. Oh, let's go! Encore un putain de Master. S'il vous plaît, le Bacon Grill. Le Bacon Grill. S'il vous plaît, le Bacon Grill. Ah non! Ah non, j'ai mal senti le papier. Ça avait la même texture que le papier du Master, mais en fait, ici, on va avoir un Whopper. Let's go. Mais il m'a l'air plutôt gros, ce Whopper. C'est peut-être un double Whopper. On va voir, on ouvre ça direct. Non, mais what the fuck? Je viens de découvrir un truc de ouf. C'est un Whopper normal, mais regardez la taille du pain, s'il vous plaît. Regardez la taille du pain. Oh, mais attendez, j'ai jamais vu ça. La taille du pain, l'épaisseur en fait, je veux dire. L'épaisseur du Whopper, du pain. Hallucinant, ça va me détruire ça. C'est parti, let's go. Du coup, le classique Whopper Burger King. Enfin, classique, bien épais quand même, en mode US. Waouh! Ce Whopper, il m'a mis KO. En même temps, vous avez vu la taille du pain. Waouh, j'ai jamais vu ça chez Burger King. Whopper terminé. Premier Whopper des Burger Mystère. On n'a pas eu de steakhouse de. On n'a pas eu de steakhouse encore. Ça dégage. Il m'en reste 3. Et c'est pas les 3 plus petits. Ils sont bien bien gros. 7, ça commence à faire mal. C'est parti, on enchaîne. On va les prendre de là jusqu'à là-bas maintenant. Celui-ci, il m'a l'air vraiment énorme au niveau du poids. Il pèse son poids, tout simplement. Encore un papier farfelu. Je sais pas, on va voir. Waouh! Oh, misère de misère. Le double Whopper
Cheese, on enchaîne, on upgrade, on vient de se faire un Whopper normal. Et là, on enchaîne avec un double Whopper cheese, mais genre massif. C'est parti, let's go. Oh, wow, la taille de la bête! La taille de la bestiole! Mais attendez, ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a trois steaks tellement qu'il est gros. Il est énorme! Le double Whopper cheese, c'est parti, let's go. Brouh. Imposant. Waouh. Huitième Burger Mister fini. Le double Whopper Cheese, il m'a mis clairement en PLS. Waouh, il était énorme. Il m'a mis un petit coup d'arrêt. Et les deux derniers, ils m'ont l'air énormes également. Là, j'annonce un double, je sais pas quoi. Et là, j'annonce un master. On va se faire quoi? Le double en premier. On tente le double. Enfin, c'est mon hypothèse. Un steakhouse, c'est pas un double, c'est juste un steakhouse, c'est chicken. Donc chicken, steakhouse, Louisiane. Pas mal, ça va changer, mais il est abusé gros. Hein. L'épaisseur du truc. Il est énorme. Donc inédit, première fois que je chope celui-ci dans la série des 10. Regardez l'épaisseur. Non, mais attendez, franchement, il régale la Burger King, mais... What? Mais attendez, il y a deux chicken. Non, j'ai cru qu'il y avait deux chicken, mais c'est énorme. J'arrive même pas à croquer tout le burger tellement qu'il est large. Pourtant, je suis un mec qui envoie des gros crocs. Oh, il est pas mal. Oh, il est spicy, lui. Oh, 9e Burger Mister, terminé, le Chicken Steakhouse Louisiane. Waouh, costaud lui aussi. J'aime un petit peu moins en tout cas. Il est un peu sec, je trouve. Donc c'est parti, let's go, le dernier. J'ai annoncé un Burger Master. Est-ce que je vais avoir raison ou pas pour le dernier Burger Mister, le 10e. On va voir ça direct. J'y crois. Au niveau du papier, j'y crois. Le toucher, j'y crois. Mais oui, je suis devenu un big boss en plus. Je sais pas trop, regardez. Donc Master, je sais pas si c'est un Cantal ou si c'est un Bacon Grill, parce que vous voyez le trait, il prend tout. Il prend tout le trait, mais je crois que c'est un Cantal encore. Troisième Cantal, Master. On va finir avec un Master. C'est moi le Master de Burger King. Ouais, c'est un Master Cantal encore une fois. Dommage, j'aurais aimé avoir le Master Bacon Grill pour changer. Mais rien qu'avec les 3 Master Cantal, ben en fait, on a remboursé les 30 euros. Waouh! Très gourmand pour finir cette dégustation. Enfin, cette dégustation, ce food challenge avec un Master. Il y a beaucoup trop de salade, par contre, ça dégage. Belle bête. Master Cantal de chez Burger King, c'est parti, let's go. Le 3e Master Cantal. Ah oui, ouais, je comprends maintenant pourquoi elle a dit que j'avais eu de la chance. Waouh, le steak est épais. Et ça y est les amis, on arrive à la fin de ce food challenge. Il me reste une bouchée du 3e Master Cantal pour valider le food challenge. C'est parti, let's go. Damn. Food challenge validé. Lady Burger Mister, ils sont en moi, dans mon corps. Je les ai démontés. Et oui, en effet, je pense que j'ai eu de la chance.
Je vous affiche de suite, vous verrez du coup le total calorique soit par ici, soit de l'autre côté. Mais là, je vais vous afficher surtout les économies que j'ai fait. Donc je vous affiche le total euro que j'aurais payé si j'avais pris tous les burgers que j'ai eu un à un. Par ici par exemple, donc c'est parti, regardez-moi ça. Et je vous affiche juste ici les économies réalisées grâce à cette promotion Burger Mystère. Moi je me suis régalé, si vous aussi vous êtes régalé de regarder cette vidéo, comme d'habitude, moi je vous invite à lâcher des gros pouces bleus, également à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas déjà, pour ceux qui me découvrent, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et puis moi, je vais vous dire à une prochaine pour une prochaine vidéo food challenge comme ceci ou dégustation le vendredi à 18h et parfois le mardi à 18h également. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, peace. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.